Non mais comprends-moi, qui aurait l'idée de se mettre à poil dans un jacuzzi devant un parfait inconnu? Enfin, tout le monde fait ça ici, bordel, c'est Berkeley. Ah, et ça, ça justifie que toute une ville se détourne des comportements convenables. Convenable? Un drôle de mot dans la bouche d'un type qui voulait faire une partie à trois avec mon épouse. Écoutez, j'essayais seulement de me montrer poli. Parce que tu appelles ça être poli? Mais bon sang, Lana, moi j'ai cru que c'était ça qu'il voulait. Il me parlait de partager quelque chose de très particulier. Quoi? Mais de quoi il parle, là? Quoi? Il devrait pas être déjà parti. Papa? Écoute, ce type est un sale con. Qu'est-ce que... Ne regardez pas, j'y suis pour rien. Le bébé? Oh, bordel. Oh non, Seigneur! Maman! Claudette! Je suis là, chérie, je suis dans le bureau. Où est Abby Jean? Abby Jean va bien, elle est dans sa chambre. Oh merde, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh non, mon Dieu, mes travaux! Oh non, tout a disparu! Mes notes, mes chiffres, mes échantillons, toutes ces années de labeur envolées. Sérieux, qui pourrait en vouloir à des moisissures? Ce sont des algues! Les enfoirés, j'y crois pas. Avec un bébé dans la maison. Pourquoi avez-vous une arme? Vous êtes sérieux, là? Bah, pour ça. Ah, génial. Lana, on pourrait savoir ce qui se passe ici? Et pourquoi est-ce que ton ami a une arme? Bon, alors, je vais Oh, je viens de réussir un carton de folie et on dirait que tout le monde s'en fout, là. Non, mais ça va, c'est pas le moment. Oh, et merde! Bon, écoutez, si vous voulez qu'on chope ces gars et qu'on récupère vos moisissures... Ce sont des algues! Bien, ça, agressif, j'aime ça. Bon, vous avez une bagnole? Si j'ai une Mais... Oh, il faut se reprendre, Lem, ok? Claudette, soyez chaud, gardez la petite. Mais Lana, dis-moi, c'est quoi ce foutoir et pourquoi il a une arme? Et pourquoi c'est lui qui conduit et pas moi? Non, papa, il vaut mieux que ce soit Archer, parce que pour ça, il est bon. Mais... Enfin, quand il est pas sur le point d'éjaculer... Oh, ça non, pas dans ma Mustang. Non, mais sérieusement, c'est quoi son problème? Mais mec, c'est la voiture de... Bullitt, oui, merci, on sait. Si t'es bien sage, ce soir, je me déguiserai en Steve McQueen, rien que pour toi. Oh, je t'en prie, Lana, arrête, ça n'a rien à voir. En plus, tu as de trop grandes mains. Roule. Mais puisqu'on parle de McQueen, j'avoue que le col roulé, ça le fait bien. J'ai dit, bon, ça va, approchez-vous. Eh, oh, doudou, doudou!